Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en début février, on est encore durant les soldes, du coup je vous ai préparé une sélection de 10 ordinateurs qui sont à moins de 1400€, oui vous avez bien entendu, moins de 1400€ pour un PC gamer pour jouer à des jeux récents, c'est possible, tout est dans la description pour les liens, pour aller directement sur le site internet avec les prix affichés à l'instant T, ça peut varier, on le sait très bien. En tous les cas, comme d'habitude, si vous avez plus de questions à poser, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Il me faut bien évidemment la taille de l'écran, le budget et ce que vous allez faire de l'ordinateur. Avec ces trois éléments, je vous sors le PC, à mon sens, qui aura le meilleur rapport qualité-prix pour votre utilisation. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Et on commence tout de suite cette sélection par le PC portable Asus FX505GT, un PC avec un écran 15 pouces, 144 Hz de taux de refresh sur l'écran. On est sur un PC qui est joli, hein, c'est du TUF, une fois de plus, du Asus, donc de la bonne qualité. Un Core i5 en 10300H, RAM 8Go, on est un petit peu bas certes, 512Go de stockage et une Nvidia GTX 1650 à l'intérieur. Donc on est sur un PC qui commence à vieillir un petit peu, faut pas s'en cacher, hein. On est sur i5 en 10ème gen, on a 8Go et une GTX en 1650, mais ça fera largement le taf pour faire tourner certains jeux peu gourmands. Une fois de plus, pas non plus des extrêmes, vous ferez pas tourner en ultra par exemple un cyberpunk, même si un cyberpunk en ultra c'est compliqué sur n'importe quel PC vu que c'était codé avec les pieds. Bref, on passe à autre chose. 729€ à l'heure actuelle sur rue du commerce, c'est un bon plan pour de l'entrée de gamme durant ces soldes. On enchaîne maintenant par de nouveau un Asus, le F15, alors cette fois-ci chez Boulanger au prix de 800€. Donc toujours un écran donc 15 pouces en Full HD, un 8Go de RAM, 512Go en stockage. On est une fois de plus sur un i5, donc là, une fois de plus, le 10300H, GTX 1650. On est sur la même gamme de prix et de produits, mais un bon prix en attendant durant les soldes. On enchaîne tout de suite par le HP Pavilion Gaming 17. Alors là, un PC portable gamer en 17 pouces. Pour 949€, on retrouve à l'intérieur donc un i5 en 11300H, on monte d'une génération, écran donc 17 pouces, dalle IPS dessus, on sort donc sur une bonne dalle, 8Go de RAM, un petit peu bas aussi, mais pour le prix c'est pas déconnant, et une Nvidia en 3050, donc on est là sur la série 3000 à moins de 1000€, alors certes c'est une 3050, pas une 3050 Ti, mais ça fera largement le taf, pour le prix vous pourrez jouer à pas mal de jeux du moment. On enchaîne et on monte encore un petit peu en gamme avec le PC portable HP Victus en 16 pouces. Donc là, un écran un petit peu au milieu, on est entre le 15 et le 17. Pourquoi pas, un bon équilibre, Ryzen 7 5800H à l'intérieur. En plus de ça, 16Go de RAM, donc là on monte vraiment en gamme hein, puisqu'il y a plus de RAM dans cet ordi. Et une Radeon RX 5500M à l'intérieur. Un très bon produit qu'on peut le voir en plus, il est joli, il est en blanc, je trouve ça assez classe le blanc, ça peut plaire pas à tout le monde, mais moi je trouve ça plutôt bien. On continue par l'incontournable, il est encore là dans cette sélection, quand est-ce qu'on va arrêter de le présenter? Je n'en sais rien, enfin que je vais arrêter de le présenter surtout. Le Lenovo Legion 5 15, donc un 15 pouces, rafraîchi à jusqu'à 165 Hz, donc il a été un peu boosté quand même hein, sur cette version-là. Un Ryzen 5 5600H, 16Go de RAM, donc un très bel équilibre entre rapport puissance du processeur. Une carte graphique en 3060 à l'intérieur, et par contre il n'y a pas d'OS, pour 1149€ chez DC Discount à l'heure actuelle, un très bon prix à mon sens sur cet ordinateur pour ce qu'il propose comme configuration. On continue avec le PC portable Dell Gaming G15, celui-ci aussi je vous le présente très régulièrement, là il est chez Darty à 1200€, à l'intérieur donc un écran 15 pouces LED, Core i7 à l'intérieur, donc on est un peu sur du productif quand même sur cet ordinateur, i7 en 10870H, on continue avec 16Go de RAM, donc on est encore dans du productif gamer, et on termine par une RTX 3060 à l'intérieur, certes un petit peu léger par rapport au reste, mais voilà, ce PC sera plus pour des gens qui veulent faire de la productivité, et aussi jouer, bien évidemment, puisqu'il propose des choses intéressantes pour 1200€. On continue maintenant avec de nouveau un Victus, donc là le Victus 16 avec un Intel i5 en 11400H à l'intérieur, 16Go de RAM, 512Go en SSD et une 3060 à l'intérieur. Donc celui-ci est plus axé gaming que productif, un très bon rapport qualité-prix, une fois de plus chez Cdiscount. On continue par de nouveau un HP, décidément aujourd'hui les HP il y en a un peu de partout, le Omen cette fois-ci en 15 pouces, alors là on est sur un AMD Ryzen 7, RAM 16Go, ça c'est pas mal aussi, 512Go en stockage, un peu limité mais on le sait tous les PC sont montés jusqu'à 512 en général. Par contre à l'intérieur une RTX 3070 pour 1399€ tout pile, donc là voilà pour 1400€ en fait vous avez un PC avec une 3070. On sent un petit peu la baisse des prix et le côté promotion du moment avec les soldes.
On continue et on va terminer par le PC portable gamer Asus Dash TUF. Alors celui-ci, je vous l'ai pas mal présenté. Écran 15 pouces, rafraîchi jusqu'à 144 Hz, un i7 à l'intérieur, 11370, donc on est sur du 11e gen en i7. On est sur un très beau PC productif principalement quand on voit ça. 16 Go de RAM, un SSD en 512, mais encore une fois, une RTX 3070 dedans avec Windows 10 de préinstallé pour 1400 €. Et en plus de ça, vous avez une souris en même temps. Donc là, on est sur un package qui a fait ses preuves et qui marche très bien pour un prix très 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 intéressant pour une 3070 et un i7. Donc on est vraiment sur un PC productif gaming. Pour moi, ça sera le plus équilibré de la sélection. Hein. Et par contre, oui, on termine, parce que j'ai dit on termine, mais non, il reste un petit dernier. De nouveau un Asus, le F17, donc là, chez Boulanger, à 1400 €. Alors là-dessus, on retrouve un Core i7 en 11800H à l'intérieur, donc on est clairement sur du productif. Ça se remarque très vite, parce qu'on voit qu'il y a une Nvidia GeForce GTX, enfin une RTX, pardon, je vais y arriver, 3050 Ti, donc c'est une nouvelle qui arrive. Donc sur la gamme, on est quand même pas mal pour un écran 17 pouces. Pour moi, ce PC sera plus destiné à du productif qu'à du gamer, mais une fois de plus, il pourra faire un peu les deux assez facilement et assez aisément. Mais malgré tout, je vous conseille quand même plus celui-ci qui est vraiment l'équilibre entre le gaming et le jeu vidéo, et il sera vraiment au top pour 1400 €. Voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu. Vidéo assez rapide, simple, efficace, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, et n'hésitez pas à me contacter sur Twitter si vous avez plus de questions. En tous les cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À ciao, bye bye.